Nous nous mettons debout. Tout est mis. On va nous lire Luc chapitre 11. Luc 11. Premier verset. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il y achevait, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Amen. Boyo kandenge basakoli nyoso bakoloba na Jésus yegege namokoloyo akoya osambisa mokili bakoloba Zulu, Yenge Bantoto, Mayo Kandeke Basa Kolinyoso, Akoloba, Najiti Yenge, Namoko Loyo Akoyoko Sambisa, Mokiligi. Makoloba na ye, oye de. Oh,
Hosanna. François, Dale la chance, 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 dale la chance
C'est que la parlotte, c'est un dialogue intime. Ça se fait en aparté. On parle en public.
Mais on parle autant par rien. Est-ce que nous pouvons clamer très fort? De quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de la prière. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne sont pas éduqués sur la prière. C'est pourquoi il prie vaille que vaille. Et Jacques, qui connaissait ces choses, il dit, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Amen. La prière des enfants de Dieu est différente de la prière des satanistes. Nous prions tous, mais pas de la même manière. Alléluia. Amen. Donc vous allez voir que les francs-maçons prient aussi. Les féticheurs prient aussi. Mais nous ne prions pas de la même manière. Alors la difficulté que nous avons aujourd'hui avec l'Église, c'est que l'Église veut prier comme les autres. Alléluia. Amen. Et si vous voulez comprendre la différence qui existe en cette matière, référez-vous à ce qui s'est passé à l'époque d'Élie devant les prophètes de Baal. Nous sommes au Mont Carmel. Ils étaient tous venus pour prier. Mais ils ne prièrent pas de la même manière. Et ils n'obtinrent pas les mêmes résultats. Laisse qu'avant que moi je ne continue, que Dieu exauce toutes tes prières. Amen. Donc, toutes les prières n'arrivent pas auprès de Dieu. Et déjà, je vous ai dit que la parlotte, c'est cet échange intime entre confidents. Pourquoi ils parlotent? Ils ne veulent pas que les autres écoute ce qu'ils sont en train de se dire. C'est pourquoi quand vous êtes dans Matthieu 6, la Bible dit que lorsque vous voulez prier, entrez dans votre chambre, fermez. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour lui? Et lorsqu'on parle de cette chambre-là, ce n'est pas de ta chambre à coucher. Si toi tu as des chambres à coucher, il y en a qui n'en ont pas. Le Dieu que je vous prêche, il est le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu des pauvres, il est aussi le Dieu des riches. Laisse qu'il puisse transformer votre pauvreté en richesse. Alors, frère bien-aimé, donc, quand le Seigneur disait ça, il voulait dire que ça, ce sont des affaires intimes. Ça ne se fait pas de manière spectaculaire. Vous voyez un pasteur, il se réveille, d'abord il ment, il se réveille à 8h. Il prend une photo, il publie, il dit,
depuis 4 heures en train de prier pour vous. Mais toi, tu étais en train de prier. Comment tu as eu ce temps-là de te prendre une photo? Parce que lorsque Dieu dit que ça doit, ce sont des affaires secrètes, c'est qu'il n'y a pas de distraction. Donc, nous n'avons pas besoin de connaître comment tu pries. Il y a un seul qui sait qui prie exactement. C'est pourquoi la Bible dit que l'heure vient et qu'elle est déjà venue où les vrais adorateurs adhéreront leur Père en esprit et en avec. Amen. Donc c'est Dieu qui connaît qui prie. Ce ne sont pas tes gestes. Vous allez trouver quelqu'un qui ne respecte pas son mari. Mais chasse les démons. Il y a un problème dans ta tête. C'est ça l'objectif de cet enseignement. Donc pourquoi les apôtres viennent poser cette question à Dieu, à Jésus? Ils avaient constaté que les prières des disciples des gens étaient plus exaucé que les lèvres. Et Jacques, qui connaissait ces choses, il nous a alertés en disant que vous priez mal. Je regrette qu'aujourd'hui nous avons une église où pour que les pasteurs prient pour quelqu'un, ça doit être celui qui lui donne l'argent. Et au Congo, il y a des choses qu'on voit au Congo. Vous voyez un fidèle qui dit à son pasteur que papa n'a bonne lèvre pour n'ayez pas sans bon. Papa, j'ai prié pour toi. Non. Il faut que tu me donnes l'argent. Non. Et ça l'a capoté. D'ailleurs, celui qui prie pour toi ne cherche jamais pas que tu puisses le savoir. Amen. Alléluia. Amen. Et les chrétiens congolais aiment de l'escroquerie spirituelle. Quelqu'un qui va prier pour toi, Mangengenge, il demande du lait. Avec la farine de froment, de maïs, des poissons secs. Ce monsieur, il part prier. Ou bien il part manger. Et qui vous a dit que Dieu vous a embrousse? C'est de l'envoûtement. Vous savez, quand on priait sur Mavongola, on avait le pasteur Kachis que je salue parce que maintenant il vit aux États-Unis. Lui, il avait cette habitude-là, il allait prier vers le fleuve. J'ai dit, mais vous allez chercher quoi là? Je sais, vous pouvez dire que parce que là où nous sommes, il y a trop de bruit, je ne sais pas me concentrer. Mais celui qui veut se concentrer, il se concentre partout. C'est pourquoi la Bible dit, priez. Alors, il est allé prier vers le fleuve là-bas. Et pendant qu'il priait, il avait fermé les yeux. Quand il ouvre les yeux, un serpent était là. Il est rentré. Je crois que ceux qui étaient avec nous doivent le savoir. Et donc, il est rentré à l'église. Bandeko, Bitumba, nakende ko bonde la nyoka ye. J'ai dit c'est faux. Nyoka vanda kana zamba. Je lui ai dit. Kote kina lupangu na ye, aye ko vérifier na ya kote ao. Je suis entré dans sa parcelle, il est venu vérifier. Donc, il faut éviter la confusion. Son espace, c'est sengeli ko bwa ngulunga. Vous pouvez prendre une suite présidentielle à l'hôtel du fleuve. Et bien gêné, sans problème. Yamala mon hôtel du fleuve peko kila mala. Déjà le temps là que vous perdez pour quitter ici à la Mangenge. Mais
Mais nous, nous aurons déjà prié. Et les prophètes là de Mangengenge, ils n'ont pas d'église ici. Mais il faut voir comment ils intimident spirituellement les aventuriers des fidèles que nous avons ici. Zambalobi. Dieu a dit, il ne faut pas le manger, il faut me l'amener. Mais bon, qu'est-ce que vous savez, Mangengenge? Va prier à Mangengenge, reste là-bas. C'est pourquoi, papa, c'est pourquoi je vous donne un conseil. Si vous avez une femme, ce que vous avez la moisi, qui consulte tous les prophètes, yé azali ko kenda koluka, ko kuta na ba sakolignonso, ko tuna bango, faut lui faire une mise en garde. Et singeli ko kebi. C'est l'esprit de l'impudicité qui la dérange. Ezali moli mo eko bonde ezali ko tungisa yé. Parce que biloko na suka suka. Oui, parce que suka kana libumu. À la fin, on finira par toucher je le ventre. Si tu trouves la femme, j'ai reçu pasteur du Nigeria. Comment tu peux recevoir quelqu'un, tu ne sais même pas. C'est pourquoi Jésus était identifié comme étant de Galilée. Ton prophète, ton pasteur, tu dois le connaître. Et c'est quelqu'un qui est baillé malade. Je suis sérieux. Abandi. Aujourd'hui elle est ici. Mon père disait, mon fils, il ne prie pas. Ils sont en train de faire des aventures. Donc, c'est des fétiches. On ne fait pas parler Dieu. Dieu parle. Quand il veut. Nous avons nos prophètes. Il faut leur poser la question. À aucun moment. Moi je suis venu faire la consultation prophétique. Jamais. Vous installez l'aventure. Quand Dieu veut parler. Il va parler. Je vous dis que ce matin, Dieu va vous parler. Amen. Quand vous recevez des prophéties, qu'est-ce que vous gagnez? Tango bozali ko mbama sakoli, bozali ko zwa kanini. Même quand Dieu n'a pas prophétisé sur vous, il est en train de travailler pour vous. Azali ko sala mosala pona yo. Amen. Laissez nos prophètes tranquilles. Ce sont des gens bien. N'abisso qui bien. Acclamons pour les prophètes de notre église. Papa, n'accepte jamais. Un jour, quelqu'un dit, Nayekotou Nanzambe. Ce sont des aventures. Et ça finit mal. Si vous faites vos aventures, ça n'engage pas l'église. Et le jour où je le saurai, orange. On prophétise à l'église. Parce que là, il y a celui qui doit examiner. Je connais une maman qui est partie consulter un prophète du Nigeria. On a prophétisé sur elle. On a appliqué sur cette maman l'huile partout. C'est quoi le prophète du Nigeria? Après le prophète du Nigeria, il dit ceci. Si tu vas prendre de Lingala, ça peut commencer avec le comment ça va? Comment ça va? Yoka le soir le bosso. Toi directement la première. Lingala. Tu suis même l'anglais. Ya Barumbu. C'est l'anglais de Barumbu. Ce n'est pas l'anglais du Nigeria. Donc, papa, quel est ce goût? Ça, ça vient après. Dans tous les coups. Bonjour. Ça commence d'abord par comment ça va? La salutation. Mais première leçon. La première leçon. How do you call it? Oh, babé kakango. Nini. Ite. Ite. Le prophète aussi, papa. Le prophète. Oh! Ici, on ne touche pas, prophète. Seigneur. En matière de prière, on apprend aux gens comment on parle. Ça ne se fait pas vaille que vaille. Vous voyez quelqu'un. Je connais un frère, depuis qu'il est né, il n'avait jamais fait les jeûnes de 3 jours à 5. Quand il termine, foufou, le foufou, un gros foufou. Azui Bako, nan bobota magite bino boyi bagote. Azui Bako, bouh. Il a pris une papa, 10 minutes après, 10 étouffement. Minutes après, il n'a pas pu. Oh, attaque, attaque, bien attaque. Il a dit que c'était. Donc, on apprend ça.
Quand vous sortez d'un longène, on commence par un thé chaud, sans lait. Ça s'apprend. Montre-nous comment prier, comme Jean. Ah, prière, écoutez-le, comment le Seigneur va commencer l'enseignement de la prière. Il dit que quand vous allez prier, commencez par dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Comment quelqu'un peut commencer la prière? Il n'a pas béni Dieu. Est-ce que tout le monde a la grâce de prier? Le doigt ici, tu ne le vois pas, mon Dieu. Il est en train de voir le cœur. Quel que soit le problème que tu as, quelle que soit l'urgence que tu as, on commence par bénir. Lorsque vous êtes en difficulté et que vous bénissez Dieu, vous lui rendez redevable. Parce que Dieu sait que toute personne qui est en difficulté ne bénit jamais l'Éternel. Tu ne dois pas oublier Dieu parce qu'aujourd'hui, il y a des soucis, il y a des choses qui n'avancent pas. Souviens-toi, ne fût-ce de quelque chose de bon que le Seigneur a déjà fait dans ta vie. Tu es pauvre, mais tu es en vie. Rien que pour cela, que le nom de l'Éternel soit sanctifié. Amen. Le fait d'avoir le courage, la foi, de recourir à Dieu, cela n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Amen, amen. Le nom de l'Éternel doit être sanctifié, quelles que soient les circonstances. Nous ne soutenons pas les mauvais événements, mais nous voulons dire qu'avant la prière, on commence par bénir l'Éternel. Il y a un mystère dans la louange qui accompagne la prière. Si tu ne sais pas comment donner les chants, il faut chanter dans ta douche. Il y a des chants qui amènent les gens dans la présence de l'Éternel. C'est pourquoi la musique à l'église, ça ne doit pas être une affaire des aventures. L'église a besoin de chantres qui savent amener le peuple dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Ça ne commence pas comme ça. On doit d'abord sanctifier le nom de l'Éternel. Lui-même, il le revendique, il dit que mon nom est grand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer très fort pour le roi de roi? Le Seigneur, le Seigneur. Je sais que tu dis que avec tout ce que j'ai comme problème ici, mais tu es en vie. Tu sais combien sont morts, ne fût-ce que pour cela, que le nom de l'Éternel soit sanctifié. Vous allez trouver quelqu'un lorsqu'il a fait des pertes dans son commerce. Il se fâche contre Dieu. Mais toi, au moins, tu as eu le capital pour commencer à faire. Tu sais que pendant que toi, tu regrettes les pertes là, mais il y en a qui n'ont rien. Est-ce que tu le sais? Je vous dis aussi que nous venons de créer notre département de counseling ici, qui doit s'occuper de l'encadrement des mariés, aussi bien des fiancés que des gens qui sont déjà dans des mariages. Étant donné qu'il s'agit de choses sensibles, en attendant
que je trouve des bonnes personnes qui peuvent gérer ça, je le ferai d'abord moi-même. Parce que les jeunes qui se marient ne savent pas comment on dépense l'argent. Les jeunes mariés, quand il a l'argent, la priorité, c'est la provision. Pour 30 jours. Pour 30 jours. Les jeunes mariés ne doivent pas manger dans des restos tous les jours. Ça doit être occasionnel. Et tout ce que tu gagnes, ce n'est pas à consommer. Alléluia. Amen. Tout ce que tu gagnes, ce n'est pas à consommer. On te donne l'argent. Il y a une ceinture car le colon. Moi, je veux la ceinture comme celle de papa. Tu ne peux pas arriver. Moi. Nazo ça est l'âge. Moi dit ata ils a 10 dollars. Même si c'est 10 dollars. Bomba. Il faut garder épargne. Moi d'expérience, je ne connais pas la femme d'un seul riche qui a réussi en commerce. Naibi moi si à mes yeux tant mon côté ou à quoi que longue à côté. Par une seule, que je ne veux pas citer son nom. On a dit qu'autant qu'à mais cette seule-là, je vais vous expliquer comment il a réussi. Les femmes des riches, quand elles font le commerce, elles ont encore peu d'argent. Elles voyagent déjà en business. Donc vous voyez déjà la maman commerçante. Mais tu n'es pas encore au niveau des 100 conteneurs. Il n'a 100 conteneurs. Tu as conteneur, mi balé mi sat. Tu as encore 2-3 conteneurs. Business. Toi, tu voyages en business class. Quand elle arrive là-bas, quand elle arrive, pendant que les gens cherchent là où on peut acheter les marchandises moins chères, elle est en train d'acheter les bijoux. Il y a celui qui somme les bijoux. Et quand elle rentre, Tanguazongi, elle dit à son mari, Albina Mobile, 50 000 francs de dollars. 50 000. Alors, à ce moment-là, vous voyez, Nangongango, ça monte. Mais en réalité, ça ne monte pas. Nasole et Komatate. C'est pourquoi lorsque les maris tombent en faillite, Tango Mobile a quoi, c'est toute la famille qui disparaît. Botta Mobimbande Nyokwami. Non. Té. Il faut vivre selon vos moyens. Alléluia. Amen. La Bible, t'as là. Koyibate, attends-moi cette oppression, Koyibate. Ne vole pas. D'ailleurs, ce que moi, c'est pas une question. Si tu vois la femme te demander beaucoup. Oui, il y a un salaire, Nayo. Il faut demander à ton épouse, de demander à ses frères. Alléluia. D'aller voler pour elle l'argent. Mais malgré cela, je vous bénis dans le nom de Jésus. Ton mari n'a pas un bon travail. Mais il n'a qu'une vacances en Italie. Je vais aller en vacances en Italie. L'idée que l'on achète un terrain à Maluku là-bas. Les mauvaises idées. Ça, la Bible dit, il y a un temps pour. Amen. Un petit commerçant, moi côté ka, n'achète pas les cravates de 500 euros. Moto yo, azali commerçant moki akosomba cravate ya 500 euros. Amen. Bon, n'ebi ke bozo sepe na ngote mengande mokolo sujet. Je sais que vous n'aimez pas ça, je suis. Une petite commerçante n'achète pas de foulard Versace. Ça viendra. Ça c'est sûr. Ça viendra. Mais au stade où tu es maintenant, vis selon tes moyens. Évitez de fêter des anniversaires de tous les enfants. Tous les enfants, il faut qu'on organise l'anniversaire. Si on n'organise pas l'anniversaire, on va. S'il y a l'argent, oui. Ceux qui me sont les alliés, mais il faut, répétons ensemble, épargnons. Épargnons. Amen. Dès que moi n'a su fièvre, pour un rien, quand l'enfant a la fièvre, toi tu as déjà aidé qui dans la vie? Bien aimé,
dans le Seigneur, la prière commence par la louange. Ça nous ramène dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, la Bible déclare. Il siège au milieu. Tu peux me compléter? Mais ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas quelqu'un à qui on a pressé les seins. Parmi vous, vous chantres, vous savez que vous marchez dans les villes des cités. Non, ce n'est pas monté ici. Un autre jour, tu vas tomber ici. Joël a dit que tu es un homme. Joël, il sait. A même dimanche, samedi. La présidente, tu es où tu veux y avoir? Amener le samedi après la prière. Ils m'ont dit, papa, allons prêcher à Lemba. Papa, moi, non, moi, c'est moi qui suis allé à Lemba. Une jeune fille. Je ne peux pas mourir, il se quitte. Ce n'est pas n'importe qui. Ils allaient m'entendre sauter. Qui peut chanter pour Dieu? Qui peut chanter pour Dieu? C'est pourquoi parmi les Lévites, il n'y avait pas que des prédicateurs. Il y avait aussi des chantres. Il y avait aussi des portiers. Les protocoles à l'église, ce n'est pas le protocole chez Congo Airways. Où les filles viennent en jipette comme ça. Bonjour papa, bonjour papa. Ça c'est l'église. C'est l'église. Il faut vérifier bien ta jupe. Merci beaucoup parce que je ne suis pas gêné aujourd'hui. Celui qui va oser cette fois-ci. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas n'importe qui doit chanter pour l'Éternel. David pour chanter à la gloire de Dieu. Il était l'homme selon lequel. C'est pourquoi il avait une guitare à deux mains. Quand il jouait ça, les démons sortaient. Lélo, aujourd'hui, les musiciens en Christ veulent vivre comme les stars du monde. Non. Un chantre chrétien ne peut pas vivre dans l'impudicité. Parce que maintenant je vois tout passe. Un chantre chrétien ne peut pas vivre dans l'impudicité. Si tu as le don de chanter et que tu es impudique, ressuscite l'orchestre Touzaïna. C'est quoi ça, orchestre Touzaïna? Comme ça, tu peux faire la concurrence avec les grands Sahara. Mais dans la maison de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui chante. Alléluia. Amen. C'est pourquoi en ces domaines-là, ce qui compte, ce n'est pas la mélodie. C'est surtout le chanteur. Qu'est-ce qu'il y a en lui? Il peut ne pas avoir une bonne mélodie. Mais quand il chante, les démons sortent. Je suis convaincu que ce matin, les démons sont sortis de plusieurs parmi nous pendant qu'on est en train de chanter. On ne joue pas avec la louange. C'est la louange qui amène Dieu. En fait, je ne serai pas trop pressé. Ça vous prendra autant de mots. Les gens doivent apprendre comment. Notre Père peut-être vous ne m'avez pas compris. Dieu ne permet pas à tout le monde de citer son nom. Troisième commandement. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne cite pas le nom de Dieu comme ça. La Bible dit que celui qui cite le nom du Seigneur s'éloigne du mal. Azali kotanga kombo na nzambe alongwa mosika atika mabe. Bon nzambe komi na ba. Omuni mutunyo so komi Jésus son Jésus. Vous trouvez tout le monde qui vient et vous dit Jésus son. On t'a dit que Jésus est de la famille de Werason. Azali motu alibota Werason.
pourquoi vous ajoutez son à la fin? Bien-aimé, tout le monde ne peut pas citer le nom de Dieu. Il y a des gens qui, quand ils citent le nom de Dieu, Dieu se fâche. Alléluia. Amen. Donc, dit que tu ne citeras pas le nom de ton Dieu en vain. Pour rien, même si tu viens de tromper. Il y a un moment ma bonne délire est belle. Tu viens de jurer. N'aura pas beaucoup d'amen parce que la prière c'est devenu comme une blague. Vous toucher, dès que vous dites que ça sont les démons, tous les impolis. Non, ce n'est pas du karaté. C'est de la parlotte. Dans la parlotte, il y a rencontre de deux paix. Il y a rencontre de la parole et de la prière. Donc, dans la prière, il faut d'abord écouter Dieu avant que Dieu ne vous écoute. C'est un dialogue. Tu viens prier. Est-ce que tu as écouté la parole de Dieu avant de prier? Amen. Vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous demandez le mariage pendant que vous êtes impudique. Vous demandez l'argent pendant que vous êtes voleur. Vous priez mal. Vous demandez l'argent parce que vous voulez vous venger contre elle. Oh, peuple de Dieu, laissez-moi vous dire, dans la vie, ne vous comparez à personne. Moi, je ne me compare à personne. Je fais ma propre course. Lorsque tu as un mari qui commence à te comparer à une autre femme, il faut lui dire que ça soit la dernière fois. Et à ce moment-là, il faut parler en lingala. Il faut lui dire que moi, c'est. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que cet homme qui prie, est-ce qu'il a déjà écouté la parole? La Bible dit, recherchez premièrement. Premièrement. Ça s'appelle la théologie de l'apologie. Théologie, il y a apologie. Comment quelqu'un qui n'est pas encore converti? Il fait des longues prières pour autre chose. Ah, si c'est pour la délivrance, oui. On nous lit psaume 24. Psaume 24. Verset premier suivant. Ma soeur, je te dis que la prière change le cours des événements. Nous aurons le temps de les démontrer. Mais nous sommes d'abord en train de vous apprendre pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées. On y va. Psaume 24, à partir du premier verset. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a fermé sur le fleuve. Si vous ne le savez pas, ceux qui peuvent bien monter, la terre sur laquelle nous marchons est assise sur les eaux. Le monde est constitué par environ 70% des eaux. Mais il a stabilisé la terre pour que personne ne puisse faire naufrage. Laisse ce matin que tu ne puisses pas faire naufrage par rapport à ta foi, par rapport à tes affaires, à ton commerce, à tes projets, à ton mariage, que tu ne puisses pas faire naufrage, que celui qui a stabilisé la terre au-dessus de toi stabilise tout ce que tu fais dans ta vie. Aller de progrès en progrès, aller de succès en succès, aller de bonheur en bonheur. Ne faites jamais naufrage.
mon côté. Continue, mon fils. Mais ce n'est pas ça qui nous concerne pour nous. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Ah. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Ah. Continue, mon fils. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Acclamons très fort pour le roi des rois. Donc les prières, toutes les prières ne montent pas. Tu dois avoir des mains innocentes. Est-ce que tes mains là sont innocentes? Combien de fois tu as avorté? Combien de fois? Combien de fois tes mains ont pris l'argent de l'État? Combien de fois tes mains ont pris l'argent de ton patron? Je vous l'ai dit, tous ces voleurs vont mourir bientôt. Ils iront en enfer. Lorsque vous volez les biens de l'État, vous ne pouvez pas être pardonné quand vous ne restituez pas. Demandez à Chey, il en sait quelque chose. Vous pouvez voler. Mais avant que je ne vous arrête, l'enfer. Qui montera sur la montagne sainte? Celui qui a des mains innocentes. Combien de gens ont perdu leur honneur à cause de toi? Tu parles des choses que tu ne maîtrises pas. Même en matière d'info, on ne suit pas toutes les chaînes. Moi je ne suis pas toutes les chaînes parce que je considère que mes oreilles ne sont pas une poubelle dans laquelle chacun peut venir déposer ses oreilles. Je dois suivre une chaîne qui peut m'apprendre quelque chose. C'est pourquoi moi je suis TF1, CNN, CNN, un peu France 24. France 24. Quand je m'ennuie, Tango, la Lembe, je suis le théâtre nigérien. Nazali Kolanda théâtre à Nigeria. Pour calmer la tête. Pourquoi tu ne parles qu'à mal des gens? C'est des choses que tu ne maîtrises pas. Et chez nous c'est grave. Même les gens que nous pensions quand on était enfant que c'était des responsables. Il parle des choses qu'il maîtrise. Vous savez, quand ces choses arrivent à ce niveau-là, ça veut dire que le pays a perdu son aura intellectuelle. Un intello ne parle pas comme tout le monde. Sur le plan finement scientifique, ce qui n'est pas mesurable n'existe pas. Le Congo a touché les fonds. Est-ce que tes mains sont innocentes aujourd'hui? Tu n'es pas responsable d'un divorce quelque part. Tu n'es pas responsable d'un trouble quelque part. Tu n'es pas responsable d'un conflit quelque part. Tu n'es pas responsable d'un malheur quelque part. Si tu as le pouvoir de sanctionner ceux qui font mal, sanctionne-les. Mais je parle ici de la calomnie. Même là où tu travailles, ne farfouille pas dans la vie. Contente-toi de ce que tu fais. Qui montera? Celui qui a des mains innocentes. Et encore quoi? Le cœur pur. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Comme c'est l'introduction, dont nous gelons calmement. Je voulais qu'on lise Jean 9. 31, on va s'arrêter par là pour aujourd'hui. On ne prie pas, vaille que vaille. Tu es dans les mensonges, dans les vols, dans la haine, dans la méchanceté. Non. C'est pourquoi vous avez vu, après les explications du prophète de Baal, Élie devait d'abord arranger l'hôtel. Je vous avais dit que le meilleur hôtel aujourd'hui, c'est notre cœur. Quand tu es le cœur pur, Dieu viendra sans que tu l'aies invité. Amen. Jean chapitre 9, le verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs,
Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Acclamons très fort pour le roi de Rome. Acclamons Jésus. Tu pries, mais tu es pécheur. Dieu n'exauce pas. Il y a des gens que tu ne peux plus côtoyer par prudence. Mais tu ne dois pas avoir de la haine à l'aise. Les jours où ils sont en détresse et que tu peux les aider à distance, n'hésite pas. N'hésite pas. Nous savons donc que Dieu n'exauce pas de péché. Est-ce que tu peux t'examiner ce matin? Tu es pécheur ou bien tu n'es pas pécheur? Mais comment on arrive à cette conclusion? Il s'agit de la puissance de la prière. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ, il était assis. Il va voir un aveugle de naissance. Pendant que cet aveugle passait, les disciples lui posèrent la question. Pourquoi il est né aveugle? Est-ce lui? Est-ce ses parents? Le Seigneur va répondre. Il dit que le péché que vous... Parce que comment quelqu'un ne peut pas naître pécheur? Mais Dieu va dire ceci. Que si cela lui est arrivé, c'est pour faire éclater la parole de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que tous les problèmes que tu as connus dans ta vie, c'était pour faire éclater. Quand les gens verront des solutions que Dieu va t'apporter, ils disent béni soit l'Éternel. Amen. Pendant qu'ils étaient en train de parler, Jésus passa en action. Lorsque pendant que je suis en train de prêcher, que le Saint-Esprit entre en action. Amen. Il va prendre la boue. Il mélange avec Sali. Il applique sur les yeux et la veille. Immédiatement, l'aveugle vit. Est-ce que pendant que je suis en train de parler maintenant, après avoir suivi l'enseignement sur la prière, que tes yeux voient des choses que tu n'avais jamais vues. J'ai besoin d'un amen et de soutien. J'ai besoin d'un amen chocolaté. J'ai besoin d'un amen d'humilité. Quand on rencontre Jésus par la voix de la prière, les choses ne demeurent pas dans leur pristine état. Les choses changent. Quand on rencontre Jésus, cet aveugle-là n'était pas sorti avec promesse de rentrer voyant. Notre Dieu, c'est un Dieu de surprises agréables. Ces surprises agréables à vivre dans la vie. Des gens qui entrent dans la présence de l'Éternel. La prière, c'est la voie par excellence pour entrer dans la présence de l'Éternel. Lorsque tel que je suis en train de parler, que le Seigneur puisse entrer dans cette église. Quand il va entrer, qu'il passe en action, immédiatement, l'aveugle recouvre la vie. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que tu puisses retrouver tout ce que tu avais perdu? Tu avais perdu le bonheur, retrouve-le au nom de Jésus. Tu avais perdu la foi, retrouve-le au nom de Jésus. Tu avais perdu le succès, retrouve-le. Tu avais perdu la vie de prière, retrouve-le. Qu'est-ce qui met cet aveugle sur la sellette? La présence de Dieu. Une église qui se veut sérieuse ne sent plus passer le nom de son. Une église qui se veut sérieuse s'appuie sur la prière. Lorsque tel que je suis en train de parler, que Christ entre dans cette église, que ce que tu n'avais pas encore vu, que tu le vois aujourd'hui, tu n'avais pas encore vu les milliards, ce matin. Tu n'avais pas encore vu Paris. Tu verras ça ce matin. Tu n'avais pas encore vu la présidence. Tu verras ça ce matin. Amen. Quand la chose arrive,
Surprise totale. Je vous dis que quand vous allez rentrer aujourd'hui, ça sera une surprise totale. Les gens ne vont plus reconnaître la même personne qui était venue à l'église. Vous ne me répondez pas bien. Je vous dis qu'aujourd'hui, les gens ne vont plus vous reconnaître. La Bible dit, quand cet aveugle rentre, c'est que j'aime cet aveugle. Lui, il est guéri avec témoins. Tout le monde a aventure. Qu'on enlève les aventures, papa. Depuis au côté de l'église. Depuis que tu entres à l'église. Tu connais. Un paralytique. Mais où il y a adresse. Il y a après qu'il te recueille. Il y a une adresse. Je ne te demande pas de venir ce qu'on t'a appris. Tu connais ce paralytique. La paralytique. C'est quoi le nom de. Je suis allé il y a de cela plus de 10 ans. Je suis allé faire campagne à Lubumbashi. Comme ça la campagne dans Lubumbashi. Les organisateurs Babongisi avaient très mal organisé les choses. Babongisa makambo mabeko leka. Mais comme nous travaillons pour Dieu, je suis dit je vais travailler. Mais Dieu lui-même va changer la chose. Il y avait un match sur un terrain de foot. Et quand moi je commence la prédication, les matchs venaient de se terminer. Pendant que les organisateurs me demandaient toujours l'argent. Mais ça bouillait. C'est vous qui m'avez invité. C'est quoi cette affaire? Libre. Je les ai retournés sur le droit chemin. Mais j'arrive là, Nakomikuna, quand le match se termine, et les passants, et les voisins, et les joueurs, ils sont venus écouter là. L'ambiance était telle que Jésus était là. Pour la fin, j'ai vu ce papa venir avec un paralytique de naissance. Je n'ai pas eu honte. Quand j'ai vu, on m'a amené. Je lui ai dit ce que vous voulez, vous ne l'aurez pas. Je leur ai dit ceci. Moi, je ne suis pas venu ici pour permettre au paralytique de marcher. J'ai dit au paralytique, si tu as dit 500 dollars. Jésus n'avait pas permis à tous les paralytiques de marcher. Moi, je suis venu, je suis venu. Va faire les affaires. Prends 500, va faire les affaires. Bandeko, maman a succès. Attends, maman a succès. Il y a un peu de. C'est quoi, Alain, dans un hôtel, mon papa, mon Dieu, nous sommes intéressés à qui? La manière dont Dieu t'a utilisé, peut-être, il pouvait permettre à ce paralytique de marcher. Tu as déjà appris quelqu'un faire marcher un paralytique? Moi j'ai fait le tour du monde. À part Bahou et Jésus. Mais aujourd'hui, répétons ensemble aujourd'hui, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Et l'aveugle rentre dans leur quartier, on l'identifie. Mais, déjà douté. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je sais que c'est bien. Je n'ai pas encore prié pour J.C. Bien aimé dans
dans le Seigneur. Quand l'aveugle rentre, les gens du quartier commencent à l'observer. Les autres disaient que c'était lui. Les autres disaient que ce n'est pas lui. Après ce culte, Dieu va faire des choses. Les gens ne vont plus vous répondre. Amen. Mais vous ne répondez pas bien. Oui, oui. Amen, amen. J'ai dit qu'aujourd'hui, après ce culte, Dieu va faire quelque chose. Quand les gens vont vous regarder, ils vont vous dire, est-ce lui ou quelqu'un d'autre? Au nom de Jésus, vous qui êtes venus, je vous donne des maisons, des véhicules, des emplois rémunérateurs, des affaires prospères pour la gloire de Jésus. Quand les gens vont voir la vie, ils vont dire, est-ce que j'y vais? Alors c'est à ce moment-là que les débats s'invitent. Les pharisiens n'aiment jamais entendre que Jésus a fait quelque chose. Ils viennent. Si cet homme venait de Dieu, il devait connaître que c'était le sabbat. Les malheurs de ce que c'est, c'est n'avoir comme interlocuteur que les oiseaux. Évêque Juppé, Congo-Brazzaville n'a pas un budget de 30 milliards de dollars. Tu es malade. Même le PIB de Brazzaville, il est encore à 15 milliards. Le budget de Congo-Brazza, c'est 4 milliards. Il faut bien retenir ça. Pharisiens. Les pharisiens cherchaient pour condamner Jésus. Même si les gens vous calomnient, même si les gens vous critiquent, Dieu va vous imposer. Dieu va vous imposer. Alors, ils appellent l'aveugle. Il dit, moi je vois. Le pharisien vont convoquer même ses parents. Ils disent, est-ce que c'est vraiment votre fils? Je sais que beaucoup de gens, après cette prédication, vont me poser la question, est-ce que l'immeuble qui pousse là, c'est pour votre fils? C'est pour votre fille? Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. J'ai dit que je vous bénis. Les gens vont m'appeler pour me dire qu'on nous a dit que les ministres qui viennent d'être nommés là, ils sont dans votre église. Ce sont des choses qui vont arriver au nom du Seigneur. La prière. Et je vais m'arrêter, mais j'aime un peu conclure par le comportement de l'aveugle. On invite les parents. Les parents craignaient qu'on puisse les chasser de la synagogue. Est-ce que c'est votre fils? Est-ce que c'est votre fils? Est-ce qu'il était avec la vie? Comment il a vu? Non. Lui-même, il est déjà adulte. Qu'il puisse parler. Tel que nous sommes là, tu retrouves ton droit d'aînesse. Je dis que tel que nous sommes là, tu retrouves ton droit d'aînesse. Plus personne n'agira sur toi. Reçois la liberté. La Bible dit que l'esprit que nous avons reçu est un esprit de liberté. À partir d'aujourd'hui, soyez libérés des maladies, des complications, des choses. Mais j'ai dit bien, soyez libérés. Amen. Donc ces jours-là, l'aveugle s'émancipa. Il pouvait parler. Vous savez, quand Dieu a fait des merveilles dans votre vie, c'est les jours où il faut profiter pour parler de Jésus. Amen. Ces jours-là, tout le monde va écouter. Alors quand il explique, il dit les gars, a pris la boue, il a mélangé avec les salines. Moi je vis. Écoutez les pharisiens. Ah non, c'est un faux pasteur. L'aveugle dit ceci. Moi je ne suis pas dans ce débat là. Tout ce que je sais, c'est que j'étais avec lui. Maintenant je vois. Donc toi tu aussi tu crois en lui. Ils disent que vous qui posez beaucoup de questions, vous voulez peut-être croire en lui. Moi dans vos conflits là, je n'entre pas. Tout ce que je sais, c'est que j'étais avec lui. Maintenant je vois. À partir d'aujourd'hui, n'entre pas dans des querelles des églises. Et c'est nous qui avons Dieu. Et vous n'avez pas Dieu. Il faut leur dire
accessible. Tout ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je sais, j'étais péché. Maintenant, j'ai dû devenir saint. Tout ce que je sais, c'est que j'étais piéton. Maintenant, j'ai un chariot automobile. Tout ce que je sais, c'est que j'étais locataire. Mais maintenant, j'ai construit une société immobilière. Vous allez voir les choses que Dieu peut faire par la prière. En un seul instant de rencontre, l'aveugle voit, le nom de Jésus se répandit partout. Si vous priez pour vous, Dieu va ouvrir vos yeux. Laissez-moi vous dire que les yeux, ce n'est pas seulement ce que nous avons sur la tête. L'apôtre Paul, il dit que même le cœur a aussi des yeux. Mais moi je vous dis, les travaux, les études, les commerces, les affaires, les projets ont aussi des yeux. Laisse que toutes vos entreprises qui étaient avec vous, voyez au nom du Seigneur, amen. Mais vous ne me répondez pas bien. J'ai dit que tout ce qui était avec, même votre nom qui était avec, que votre don puisse faire le don ne doit pas rester seulement sous la roche. Le don doit entrer dans le cours royal. L'intelligence ne doit pas rester seulement dans les auditoires. Ça va entrer dans le cours royal. À partir d'aujourd'hui, j'ai détruit l'aveuglement dans cette église. Il y a plusieurs sortes d'aveuglement. Quelqu'un qui n'a jamais été dans un avion, il est aveugle par rapport à l'avion. Celui qui n'a jamais acheté une maison, il est aveugle par rapport à la maison. Celui qui n'a jamais touché des milliards, il est aveugle par rapport aux milliards. Celui qui ne s'est pas encore marié, il est aveugle par rapport au mariage. Aujourd'hui, j'ai mené une boule de terre. Cette boule de terre là, j'ai mis la salive. Et c'est ce qui fait ouvrir les yeux des gens. Bien aimé la prière, la prière, de tout. Amen. Vous ne comprenez pas ces enfants. La prière, de tout. Je termine par un exemple. Il y a une femme qui s'appelait Anne. Anne n'avait pas d'enfant. Anne était critiquée, insultée, humiliée. Anne avait vu tous les médecins. Anne avait même l'amour de son mari. Mais tous ces gens-là étaient capables de lui donner la prospérité. Mais Anne avait compris. Comme tout le monde a échoué, maintenant, je dois changer de stratégie. Elle commença la vie de prières intenses. Quand elle pria, ces jours-là, Dieu lui envoya Samuel. Je te dis qu'aujourd'hui, je mets fin à la stérilité dans ta vie. La stérilité n'est pas que biologique. La stérilité est financière. Elle est physique. À partir d'aujourd'hui, tu auras ton Samuel. Amen, amen. Amen. J'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu auras une maison, tu auras un immeuble, tu auras un poste, tu appelleras ça Samuel. Lorsque tu sais dont les affaires étaient sérieuses, que les affaires prospèrent maintenant, ils ont les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Quand Jésus là, tout bouge. Quand Jésus est là, tout change. Est-ce que ce matin, que les choses bougent dans cette église, que les choses changent dans cette église? La Bible déclare, vous serez la tête et non la queue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je brise, je tue l'esprit de queue dans cette église. Je ressuscite, je réhabilite l'esprit de queue partout. Vous allez passer, soyez des têtes à jamais. On a libéré, on a libéré. Amen, amen. Nien, 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 nien. Bomba, 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 bomba. Abé, na loba, loba, na sakura, sakola, na panza, na teya, na pambola bino. Pambola. À partir d'aujourd'hui,
les choses changent. Il ne va plus dépendre des gens. C'est aveugle pour manger. Il dépendait des gens. Je te donne l'indépendance financière. Je te donne l'indépendance politique. Je te donne l'indépendance spirituelle. Je te donne l'indépendance politique. À partir d'aujourd'hui, que le monde le veuille ou pas, il ne dépendra plus de quelqu'un. Je te rends indépendant. La Bible dit, si vous mettez en pratique ces choses, Dieu va ordonner à la bénédiction de vous suivre. Quand tu pries, Dieu va ordonner. Quand tu pries, quand tu pries beaucoup, Dieu va ordonner. Amen. Je suis convaincu. Merci qui s'amuse. J'étais très utile pour vous. Ce matin, je finis tout ce que je pouvais vous dire. Maintenant, il me reste une seule chose de vous dire. C'est ça le message. Maintenant, il me reste une seule chose. C'est ça. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Qu'il bénisse les chantres, techniciens, protocoles, sécurité. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse nos ennemis. Que Dieu bénisse les enfants qui sont de part en part. Et que Dieu bénisse notre passage. Epaïnaïe, Kokota, Nakatia Lopango.